Lorsque la ville en 2008-2009 a engagé la démarche Agenda 21, c'était totalement inconcevable de le faire sans s'interroger sur la place des habitants dans cette démarche. Ce qui nous a amené à, pendant 2 ans à peu près, en 2011-2012, à travailler auprès des habitants, donc par le biais de stands qui ont été disséminés un petit peu dans l'ensemble du territoire. Un millier d'habitants ont participé d'une façon ou d'une autre à cette réflexion, à cette action de sensibilisation. Nous avons ensuite, dans la phase plus dite d'élaboration, organisé des ateliers communaux, donc à l'échelle du territoire, ateliers thématiques, ateliers plus territoriaux, puisque certains quartiers avaient des problématiques que n'avaient pas les autres quartiers. Ces échanges ont permis non seulement de communiquer, je dirais, sur cette démarche et sur le pourquoi et les enjeux dans une ville comme Aubervilliers, mais ça a permis aussi de recueillir des avis tout à fait pertinents de la part de nos concitoyens ou des usagers, à tel point que certaines actions qui figurent aujourd'hui parmi les 60 actions émanent directement de propositions faites par nos concitoyens.